Excellence, c'est une citation de saint Augustin, grand docteur de l'Église, qui exprime le mieux mes sentiments actuels. Pierre personnifie l'Église, de même que chaque évêque est l'époux de son Église particulière. Pierre, l'évêque de Rome, est l'époux de l'Église universelle, qui trouve en lui parfaitement son visible fondement. La venue de votre Excellence dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, confiée à l'Institut de Christ-Roi sur bien prêtre par votre bienveillance, est pour nous la manifestation du « sentire et cum ecclesia ». Nous recevons en vous, Excellence, selon l'affirmation de la constitution dogmatique Lumen Gentium, le héros de la foi et le docteur authentique. C'est par le ministère des évêques et des prêtres, rappelle le décret du Concile, que le Christ est donné aux fidèles. C'est une volonté divine, puisqu'instituée par le Christ lui-même, deuxième personne de la très sainte Trinité. En votre personne, donc, Excellence, nous accueillons un successeur des apôtres institué par le Christ. Et depuis des siècles, les paroles du Christ à votre endroit résonnent toujours à nos oreilles de chrétiens qui vous écoutent, m'écoutent. Dans cet esprit de foi, nous recevons votre Excellence, sachant que toutes les grâces conférés par les sacrements donnés par les prêtres résidant dans votre archidiocèse, découle du successeur des apôtres que vous êtes. Trop de sectes pullulent de nos jours, où chacun se prétend investi par Dieu pour prêcher je ne sais quelle doctrine, et tout cela pour le plus grand malheur des peuples abusés. Ici, frères très chers, votre pasteur, votre prêtre, votre curé, le chanoine Bergeron, exerce sa mission parce que investi par le Christ dans la personne d'un successeur de ses apôtres. De là, toute la valeur de son ministère, l'authenticité de son enseignement, la prodigalité et l'efficacité de son ministère sacramentel. Chers fidèles, vous recevez de Dieu tant de grâces parce que votre curé a reçu cette mission de l'évêque. Il me semble aujourd'hui, en cette très belle occasion, entendre encore la voix claire de mon maître très vénéré lorsque j'étais, il y a bien longtemps, jeune séminariste en Italie, à Gênes, l'éminentissime cardinal Siri qui affirmait
Sans l'évêque, l'église locale n'existe pas. L'évêque est le noyau essentiel et nécessaire de la communauté chrétienne. Il est directement ou indirectement la source de tous les sacrements. Il est le véritable représentant du Christ. Il est dans la soumission parfaite au pontife romain, maître et docteur authentique de l'Église. Il a tout pouvoir législatif dans le cadre des lois générales de l'Église. Sans l'évêque, l'Église locale n'existe pas. Souvenez-vous, chers fidèles, que notre Seigneur Jésus-Christ est le fondateur de l'Épiscopat et de son Église, dans la soumission à Pierre. C'est ainsi qu'il a choisi les 12. Il voulut qu'ils fussent 12. Il les appela et les constitua apôtres. Le charisme de l'apostolat au sens plénier a été déposé en leurs mains. Les autres le recevront de leurs mains. À cette poignée d'hommes, il donna le pouvoir de gouverner l'Église, affirmant dans l'Évangile de saint Matthieu que tout ce qu'il délirait sur terre serait délié au ciel, soulignant aussi que ceux qui les écoutent l'écoutent, et ceux qui les méprisent le méprisent. À ces mêmes hommes, il donna la mission d'enseigner jusqu'aux confins de la terre, prononçant déjà la sentence condamnant ceux qui ne croiraient pas à leurs paroles. Enfin, 40 jours après sa résurrection, il parla du royaume en le laissant entre leurs mains, et tout cela en affirmant qu'il demeurerait avec eux jusqu'à la consommation des siècles. Cette mission, confiée jusqu'à la fin des temps, met en lumière le rôle de leurs successeurs, car eux, les apôtres, devaient mourir, et de cette mort, il en a parlé explicitement au sujet de Pierre. Le témoignage des actes des apôtres, des épîtres et de l'Apocalypse et de toute la littérature chrétienne authentique des temps apostoliques montre clairement que les évêques furent les successeurs des apôtres dans les églises locales. C'est à ces considérations que nous devons élever notre pensée ce matin pour comprendre dans la foi le mystère de l'Église que Tertullien nomme le corps des trois personnes divines. Nous exprimons donc notre gratitude à votre Excellence, pontife, docteur et pasteur, comme l'enseigne le dernier concile du Vatican dans son document Christus Dominus, d'être venu visiter votre paroisse qui est confiée à la cure pastorale des chanoines de notre institut. Votre présence nous manifeste votre paternité. Paternité, l'office essentiel de l'évêque selon saint Grégoire le Grand, réside en cette paternité spirituelle que votre Excellence exerce envers ses fils ici présents, les prêtres de l'Institut et les chers fidèles de votre diocèse reconnaissants de ce que vous faites pour eux, souhaitent en ce jour manifester la révérence et l'obéissance qu'ils vous doivent et vous assurer surtout de leur continuelle prière pour votre haute charge dans l'Église sous l'autorité de Pierre. Excellence, laissons-nous maintenant porter par la liturgie catholique romaine prémices des joies dont nous jouirons dans l'éternité, en contemplant notre Dieu trois fois saint, notre Dieu charité, dont l'essence se répand dans chacun de nos cœurs et chacune de nos âmes en ce jour béni, ubi caritas deusibi est. Assurez que sa divine mère, l'Immaculée Conception, nous assiste tous en ce solennel et sainte cérémonie et grande fête pour notre cher institut, la fête du Christ roi. Ainsi soit-il. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sancti Terne Deus, qui directo filio tuo universum regit, omnia instaurare voluis, concede propitius ut cunte familie gentium, peccati vulnere disgregati, eius suavissimo sam sudantur imperi, qui tecum vivite treniat illuminati Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Colossenses. Fratres, gratias agimus Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sorti sanctorum illumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transulit in regnum filii dilectionis suae. In quo habemus redemptionem per sanguine meius, remissionem peccatorum, qui est in mago Dei invisibilis, primogenitus omnis creature, quoniam in ipso condita sunt universa in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constat. Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principio primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem in habitare, et per eum reconciliare omnia in ipsu, pacificans per sanguinem crucis eius, sive quae in terris, sive quae in celis sunt in Christo Iesu Domino nostro. Thank you.
In illo tempo benedixit Pilatus ad Iesum, tu resurrectio Deorum. Et respondit Iesus, atemet ipso ac dicis, analidicebunt tibi de me. Et respondit Pilatus, nunquid ego Iudeus sum. Gens tua et pontificens gladideunt mihi, quid fecis mihi. Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo eset regnum meum, ministri mei utique decedant, ut non tradire Iudeis, nunc autem regnum meum non est. Dixit itaque Pilatus, ego rex est tuum. Respondit Iesus, tu dicis, via rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundo, ut testimonium per ideam veritate, omnis qui est ex veritate, audit vocem mea. Traduction de l'Épître tirée de la lettre de saint Paul aux Colossiens pour la fête du Christ roi. Frères, nous rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Ce Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car en lui furent créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles,
trône, domination, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses ont en lui leur consistance. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en tout la primauté. Car en lui, Dieu s'est plu à faire habiter la plénitude et par lui à tout réconcilier avec lui-même. Les choses de la terre comme les choses du ciel, en réalisant la paix par le sang de sa croix dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Traduction du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, les gens combattraient pour empêcher que je sois livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate alors lui dit, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Voici pourquoi je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. » Eh bien, chers frères, je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et sainte fête du Christ roi, fête titulaire de notre institut. Je vous rappelle qu'en ce jour, comme pour toutes nos fêtes patronales, vous pouvez gagner une indulgence plénière aux conditions habituelles, c'est-à-dire en vous confessant dans les 8 jours, en communiant et en priant aux intentions du souverain pontife. C'est évidemment une très grande joie pour nous aujourd'hui d'avoir nos deux papas en même temps, notre archevêque, l'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, et Mgr Vach, prieur général de l'Institut du Christ Roi. Pour cette semaine, il y a quelques changements d'horaire, en raison précisément de la présence de Mgr Vach et du voyage qui est prévu à Mouila. Il faut noter que mardi, c'est la grande fête de la Toussaint, et je rappelle comme chaque année que c'est une fête d'obligation, c'est une fête de précepte, c'est-à-dire que c'est comme un dimanche qu'il faut sanctifier ce jour. Les horaires des messes aussi sont comme le dimanche, c'est-à-dire 8h, 10h et 18h. Le lendemain 2 novembre, ce sera la commémoration de tous les fidèles défunts. Il y aura une messe basse à 8h et une messe aussi à 17h dans l'après-midi. Jeudi 3 novembre, nous serons à Mouila pour l'ordination sous-diaconale de notre cher abbé Mirko. Donc, bien sûr, et bien soyez en union de prière avec lui pour ce grand jour, pour ce pas qu'il fait vers le sacerdoce. Exceptionnellement, donc, ce jour-là, il n'y aura pas de messe à l'église, donc le 3 novembre. Et le 4 novembre, il y aura la messe à 18h, c'est-à-dire au retour de Mouila, pour ceux qui rentreront ce jour-là, avec le bus. Encore une fois, bonne et sainte fête du Christ roi. Thank you.
Cher Monseigneur Vague, vicaire général de l'Institut Christ Souverain Prêtre, cher Monsieur les chanoines, frères et sœurs, bien-aimés, la paix du Christ. Ce jour est un jour particulier et je bénis le Seigneur pour la présence de Monseigneur Vague et je rends grâce à Dieu également pour cette première célébration en tant qu'assistant, n'est-ce pas? Voilà, en tant qu'assistant, en espérant que je prendrai quelques cours de latin pour venir présider ici. Un père de l'Église disait que Dieu avait comme deux mains. Une main, c'est la parole. Et l'autre main, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Nous avons écouté cette parole de Dieu qui, chaque jour, et d'une manière particulière, chaque dimanche, nous reconstruit. Parce que sa parole est bien créatrice, elle nous renouvelle. Sa parole est guérison, elle nous apporte la joie. Nous l'avons écoutée, elle est descendue dans nos oreilles et tombée dans nos cœurs. Et nous prions pour qu'elle porte du fruit. Nous allons également inviter le Saint-Esprit de Dieu. À chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher, il me plaît toujours d'inviter le Saint-Esprit. Parce que parfois, nous l'oublions un peu trop vite. Nous l'oublions un peu trop vite. Alors que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de fécondité. On ne pourrait pas avoir des saints, on ne pourrait pas avoir des martyrs. Et c'est l'Esprit Saint, ce moteur puissant qui nous vient d'en haut, n'est-ce pas, fruit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous les fils de Dieu, qui nous permet de marcher, de comprendre la parole et de la vivre en pratique. Alors, je vais demander à la chorale de prendre un chant à l'Esprit Saint. Et nous allons l'accompagner. Nous allons chanter avec la chorale pour appeler le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Donc, on voit que Jésus, eh bien, il manifeste une grande liberté.
il manifeste une grande liberté. Et il avait besoin d'une armée pour se défendre. Parce que cette parole qui vient de son cœur, c'est la parole du Père, parole de vérité. Il offre sa vie. On n'a pas besoin de la lui prendre, de la lui arracher. Non. C'est lui qui la donne. Et il ouvre son royaume. Il ouvre son royaume à tous ceux qui veulent vivre dans la vérité. Il est le roi de paix, de justice et d'amour. Et Pilate lui pose comme question, es-tu le roi des Juifs? Voilà que le Fils de Dieu lui-même est comme cantonné. Il est considéré simplement comme le roi des Juifs. Alors c'est sûr que les oreilles de Jésus, cela ne sonne pas très bien. Certains Juifs ont pensé que Jésus serait le Messie politique qui allait libérer son peuple du pouvoir romain. Il dit voilà, le Christ est là, il est le Messie, l'envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Et on lui colle une étiquette politique, ce que le Christ a toujours refusé. Jésus vient nous libérer. Il vient nous libérer du pouvoir du péché, de la puissance des ténèbres, pour instaurer un règne de vérité, un règne de sainteté. Il vient parler au cœur. D'autres ont voulu faire de Jésus un chef militaire, un révolutionnaire qui allait purifier la terre sainte de tous les païens. Là encore, comme Jésus l'a dit à Pierre dans le jardin de Gethsémani, il nous le dit à nous aussi, remets ton épée dans le fourreau. Jésus vient nous libérer de la violence. Notre monde d'aujourd'hui est un monde de violence. Lorsqu'on suit les informations, les coups d'État, les guerres, même dans nos familles, cette violence est entrée dans le monde des jeux. Les jeux, aujourd'hui, sont gagnés par la violence. Dans un lycée, un proviseur s'est amusé à ouvrir les sacs de nos enfants, de nos élèves. Il en est sorti des choses bizarres. Des choses bizarres. Le monde des jeunes aujourd'hui est gagné par la violence. Le Christ vient nous libérer de la violence. Cette violence qui est en nous et qui est dans le monde. Et il vient pour instaurer un règne de justice et d'amour. Il est intéressant de voir l'attention que Jésus accorde à Pilate. Il prend le temps de lui répondre, comme pour l'inviter, comme pour atteindre son cœur. Cette partie de lui-même où Dieu peut parler encore. Le Seigneur patiemment écoute et répond pour dire à Pilate, eh bien, je ne suis pas seulement le roi des Juifs. La royauté du Seigneur n'est pas pour un seul peuple. Aujourd'hui, on a tendance à cantonner la foi dans la sacristie, dans les églises, n'est-ce pas? Cette foi que nous avons, eh bien, elle est une lumière.
On ne peut pas la mettre sous le boisseau. Elle doit éclairer nos vies, nos familles, nos cités, nos cités. Et en tant que chrétien, nous avons un mot à dire quant à la gestion de la cité. Un mot de justice, de paix, d'amour. Le Christ veut être notre roi à tous, un roi humble, car il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il nous rétablit dans l'amitié avec le Père. Nous qui étions ténèbres, par sa mort et sa résurrection, il nous admet dans l'admirable lumière du Père, dans les bras de Dieu. Et le Christ dit à Pilate, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit à mon sujet? Jésus renvoie Pilate à sa propre conscience, son propre discernement. Le Seigneur entre dans l'histoire des hommes. Il passe dans nos vies. Il attend notre implication. Il attend que devant les hommes, nous nous déclarions pour lui. Il attend que nous fassions de nous des choix concrets de justice et d'amour. Et il faut oser avoir le courage de défendre un innocent. Le courage de vivre dans la vérité, dans la fidélité à notre baptême. Sortir du confort de la majorité. Nous, on aime bien se fondre dans la majorité. Il dit, ah, je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Cette parole de Dieu nous sort de cet anonymat-là. Nous met dans la vérité. Le courage de sortir du confort de la majorité pour penser selon la vérité qui vient du cœur. Cette vérité que Dieu met dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce Verbe de Dieu éclaire tout homme venant en ce monde. Et si nous sommes ouverts à la vérité, si nous sommes ouverts à la lumière, alors nous sortons de ce monde fait, tout le monde fait comme ça, nous sortons de là pour vivre en enfant de Dieu. Pilate dit à Jésus, est-ce que je suis juif, moi? Par ces mots, eh bien, il manifeste la différence. Il ne se sent nullement concerné. Il se réfugie en faisant une question entre juifs. Et non, ça me concerne moi. C'est une affaire de juif. Moi, je ne suis pas juif. Et Jésus précise que sa mission dépasse le simple cadre terrestre. Son royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas d'armée. Il n'a pas de serviteur qui irait combattre pour lui, mourir pour défendre sa vie. Le Seigneur ne vient pas pour prendre la vie des autres. Lui, il donne sa vie au Père pour le salut du genre humain. Il donne sa vie. Il ne s'agit pas de sacrifier les autres. Notre pays s'achemine vers les élections et déjà le nombre de personnes disparues augmente. On sacrifie. Le Seigneur ne vient pas pour sacrifier les autres, mais pour faire de nos vies, pour faire de chacune de nos vies un sacrifice d'amour. Par l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu,
et par l'amour du prochain. À Gethsémani, le Christ est face à son Père, à la volonté du Père. Et il déclare, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu es donc roi. Pilate fait un pas par rapport à la réponse du Christ. Jésus n'est pas seulement le roi des Juifs. Tu es donc roi. Et le Christ dira, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et si tu es roi, ces mots de Pilate prennent un caractère universel, absolu. Et ces mots rejoignent la solennité de ce jour. Le Christ, roi, souverain prêtre, roi de l'univers. Christ, roi de l'univers, mais sans aucune connotation politique ou guerrière. La dignité royale de Jésus est la mission d'attester la vérité, une mission de portée universelle. Son royaume regroupe tous ceux qui sont pour la vérité. Cette vérité pour laquelle Jésus accepte de mourir, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour tous les hommes, quelle que soit leur race, leur classe sociale et leurs opinions politiques. Pilate n'a pas osé franchir le pas pour vivre dans la vérité. Il est resté dans le mensonge. Malheureusement, et bien notre société aussi, n'est-ce pas? On se complaît dans le mensonge. Seule la vérité peut nous rendre libres, disent les Écritures. Ce roi de justice d'amour et de vérité règne dans nos cœurs. Donnons-lui plus de place, plus de place pour que la cité de Dieu, pour que la civilisation d'amour se construise et soit plus visible de jour en jour dans nos paroisses, nos familles et dans le monde entier. Que le Christ règne dans chacune de nos vies pour rendre plus visible déjà ici-bas ce règne, cette civilisation d'amour que le Christ est venu nous apporter. La paix du Christ. Amen. Yes.
Thank you.
Institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tuum sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Secula seculorum. Pax Domini sit semper nobis cum. Oh,
Confiteur verum patenti, Beate Maria Sancta Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sancti, Sanctivi Pater, Quia peccavini miscogitazione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo peco, beata Mariam semper virgine, beato Michele Marcangelo, beato Ioanne Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseria vesti omnipotens Deus, et ibisis peccatis vestris, perducatus ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum festo, et quo ad vobis omnipotens et misericors dominus. Et chanus Dei executolit peccata mundi. Domine non subditus et ingresso tecum meum. La forza la vitur anima. Domine non subditus et ingresso tecum meum. Thank you.
Thank you.
Immortalitatis alimonia cum secut, quesumus domine ut qui sub Christi regis, vexillis militare gloria, cum ipso in celesti sede iuciter regnare possit, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti regnus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Amen.
Thank you.